Salut la team. Donc là c'est le matin, il doit être dans les 9h30 à peu près. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis absolument pas du matin. Donc là je me suis levée, je suis rincée le visage, tout ça. Et là, je suis enfin là et je ne suis pas encore réveillée. Donc là je vais me préparer, je vais faire me maquiller et me coiffer. Et voilà, donc on se retrouve après ça. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. J'ai oublié de mettre mes lentilles. Vous voyez, quand je vous dis que je fais du matin et que le matin je suis à l'heure de réfléchir. Mais là c'est trop tard. Je tente même pas de mettre mes lentilles avec le mascara et tout. Je suis pas assez une pro, je vais pleurer partout, ça me fait mal aux yeux, ça va mettre des petites. Ça va mettre des petits résidus de maquillage dans mes yeux. Donc, non merci. Résultat, je ne vais rien boire de la journée. Pour les gens qui ne savent pas, je suis myope comme une taupe. Purée. Bon, en vrai, ça va, j'ai pas une correction de ouf, mais je vois assez pas bien pour pas voir de loin les gens correctement. Genre, de loin les gens, je les reconnais leur démarche, pas du tout leur visage. Voilà. Bon, bah sinon, j'ai fini de me maquiller là. Voilà. Et je vais passer à la coiffure. Ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois, quand je me maquille comme ça et que je suis pas coiffée, et bah à chaque fois, mon visage me fait trop rire. Genre, je me dis, ça colle pas, genre, ça va pas. Bon, allez, à tout de suite. Je suis prête. Je suis coiffée, maquillée. Là maintenant, je vais aller m'habiller. Je sais pas quelle heure il est, il est 10h. Bah, c'est pas fait, je pars dans une heure. Donc, j'ai encore le temps de manger et de faire mon sac parce que je n'ai pas fait mon sac. Du wallou. Allez, à tout de suite. Hop là. Voilà, du coup, maintenant je suis habillée. Donc, j'ai ma brassière du club en dessous. Et en dessous, ça se voit pas, mais j'ai mon short et mon collant. Maintenant, je vais aller manger. Je vous emmène avec moi. Ok. Du coup, bah là, c'est l'heure du petit déj. Je sais pas si on voit, mais j'ai fait des pancakes. J'ai mangé ça avec une pomme et du jambon. Et en même temps, je regarde One Piece. Bah, en fait, c'est génial. Depuis tout à l'heure, je pensais que j'étais en train de filmer, mais j'avais plus de place. Mon téléphone, du coup la vidéo elle s'est pas enregistrée du tout. Donc bah j'ai fini de manger. Je suis en train de manger ma pomme là. Toujours en train de regarder One Piece. On part dans 15 minutes. Donc là faut vraiment que je me bouge. Voilà. Donc là j'ai préparé mes affaires, préparé mon sac à dos et on se retrouve après. Ok, du coup là on est dans la voiture. Il est 11h07. C'est ça, 11h06. Ouais, donc on est un peu en retard, mais ça va, c'est que 6 minutes. Je suis avec papa et Lolo derrière. Donc voilà, c'est parti. Sur une aire d'autoroute parce que j'avais une envie pressante. Ça faisait plusieurs temps que je me retenais dans la voiture, mais là j'étais à ça de me faire caca dessus. donc voilà, donc là j'ai foncé aux toilettes et on devrait être arrivé à Nice d'ici 25 minutes je dirais. D'arriver, du coup là Lorraine et papa ils sont derrière, ils viennent
ils vont aller manger au restaurant. Ils vont aller manger au resto en attendant que moi je me prépare. Là, je sais pas, il doit être 13h et je cours à 14h45. Par contre, il pleut. Enfin, là, il pleuviote. C'est pas de la vraie, vraie pluie, mais bon, c'est chiant. Et en plus de ça, il fait pas hyper chaud. Ça va, il fait pas froid, mais franchement, c'est pas ouf. Et mes lunettes de soleil, je les garde pas pour faire la star. C'est juste que je suis archi sensible à la luminosité. Et sur le trajet, il y avait plus de luminosité. Mais là, franchement, ça va. Enfin, ça va. J'aurais aimé qu'il fasse plus beau, mais là, il fait vraiment dégueu. Genre, le ciel, il est vraiment pas ouf, quoi. Voilà, voilà. Bon, là, j'arrive sur le stade. Je vais vous filmer ça. 13h36. Je vais pas tarder à m'échauffer. Donc, je cours dans 1h. 10, ouais, c'est à 1h10 que je cours à 14h45. Il pleut, c'est pas ouf, mais bon, ça va, il fait pas trop trop froid. Et voilà, let's go. Ah ouais, là je transfère pour de vrai là. Bah finalement il pleut plus. Il fait un grand soleil, il fait vraiment hyper chaud, mais ça me choque carrément tellement il fait chaud et il fait lourd. Et comme il a plus l'air, il est bizarre, genre j'aime pas. Quand je respire, c'est pas fluide. Ils sont en retard, parce que si on n'était pas en retard dans la région PACA, on serait pas la région PACA. Donc là, il est 40 ou 41 par là. Oh, je me suis même pas droit. Il est 40 ou 41 et les garçons ne sont toujours pas partis alors qu'ils étaient censés partir à 30. Ils sont encore en train de s'échauffer derrière. Donc voilà, je sais pas à quelle heure je vais partir, mais en tout cas, je suis prête, je suis chaude. Je fais un départ avant de me faire virer par les gars. Et maintenant, bah, j'attends avant de commencer la course. Hein. C'est parti. Allez, nous, allez, nous, allez, nous. Alors là, on est sur un petit record. Hey, je sais pas si on va m'entendre avec le vent. 13,79 plus 0,6. Hey, je suis trop contente. Vraiment là. Hey, je suis refaite. En plus, la course, j'ai vu personne. Genre, du début à la fin, j'étais toute seule. Et j'ai mis 13 secondes. Putain. Carrément, je dis des bêtises. J'ai carrément des bêtises. J'ai mis une seconde à la deuxième. Oh, je suis refaite. Vraiment, je suis trop contente là. Trop contente. Je dois vraiment avoir une tête dégueulasse, mais c'est pas grave. Là, c'est la victoire, là. Allez, Emile ! Allez, Emile ! Allez, allez. Bon, du coup, là, on est en train de quitter le stade. On vient de finir de regarder Auré 4x100. J'ai un peu mal à la gorge parce que j'ai... 4x100. 4x400, pardon. J'ai mal à la gorge parce que j'ai grave encouragé. Oh, il y a le daron derrière. Et sinon moi j'ai fait le relais 4x100 justement. Ça s'est bien passé. Après j'étais que avec des cadettes, du coup je les connaissais pas. Et c'était un peu bizarre, j'avais l'impression d'être la daronne du groupe. Enfin j'étais la daronne du groupe du coup, mais bon. D'habitude c'est moi la petite, donc c'était drôle. Et en plus de ça, bah j'étais grave en retard parce qu'en fait à l'heure où le relais partait, j'étais aux toilettes en basket. J'étais en train de faire pipi. Et je savais pas que le relais partait à cette heure là en fait. Je pensais qu'il partait à 45. Et alors qu'en fait il partait à 40. Du coup quand je suis revenue, j'ai dû courir, traverser toute la piste parce que j'étais troisième relayeuse. Pardon. Et j'ai dû tout rattraper. Ensuite, une fois que j'ai mis mes pointes, j'étais encore en collant. La dame elle a validé, donc du coup ils ont donné le départ, sauf que j'avais pas encore pris mes marques pour le relais. Donc j'ai dû prendre mes marques, j'étais encore en collant, je me suis rendu compte que j'étais en collant. Je me suis dit oh purée, mais il faut vite que je me mette en short. Du coup je me suis mise en short. Et après là, j'ai jeté mon collant sur le côté et il y a une juge qui l'a récupéré. Et après ça on est parti. J'avoue le passage entre Mélissa, du coup la deuxième relayeuse, et moi, il était bof. Genre il était pas nul à chier, mais il était pas extraordinaire parce que j'étais trop agitée, genre j'étais pas dedans, mais bon, au calme, c'est le premier tour, c'est pas grave, le deuxième sera mieux. Et voilà, sinon la compète c'était top. J'ai fait mon petit RP comme vous avez pu le voir.
le petit ref. Ah, il se décale pour pas être dans la vidéo. Tu crois que je t'ai pas vu? Voilà, tu restes là. Et du coup, la petite mèche rebelle là. Et du coup, voilà. Donc je vous raconte mieux tout à l'heure, parce que là j'ai mal au bras avec mon sac à dos là, de filmer comme ça. Donc quand je suis dans la voiture, je vous en dis plus. Bisous. Du coup là il est 17h25, je n'ai pas mangé depuis ce matin 10h. J'ai mangé à cœur à 10h30, j'ai mangé ce matin 10h30. Du coup bah là j'ai pris ma petite salade Sodebo. Donc c'est parti, on va grailler ça sur le chemin. Là on a 2h pour rentrer, j'espère s'il n'y a pas de bouchon. On est en train de regarder le GPS, bon voilà. Donc c'est parti mon kiki. Complètement vidée de mon énergie, là je suis cuite. Vraiment, je suis un peu étudiée tout à l'heure et je discute avec papa. Mais là, je suis vidée. Genre vraiment, je suis. Voilà, j'ai cuite. Je suis ultra fatiguée. Genre vraiment là, waouh, il est 19h. Et je suis en train de me demander comment je vais faire pour rester réveillée. Pour pas m'endormir trop tôt, parce que je peux pas arriver à la maison, on va arriver à quelle heure, 19h20, et m'endormir direct, sinon c'est bien, je vais jamais dormir cette nuit. Mais je sens que je vais quand même faire la sieste. Du coup, bah là je suis rentrée à la maison, je suis dans ma chambre. Il est, je sais même pas quelle heure il est, il doit être dans les alentours de 19h30. Franchement, je suis trop contente de ma journée, parce que j'ai fait mon record. En plus, genre, c'est pas un petit record. C'est. Je suis passée de 13,97 à 13,79. Bon, après, en vrai, je suis pas choquée parce que je m'attendais à faire un chrono comme ça. Parce que je m'entraîne de ouf et 13,97, ça date. J'avais fait ça quand j'étais junior, donc en 2019. C'était avant qu'il y ait le Covid. Après, il y a le Covid, donc j'ai pas couru. Et après, la saison où on a repris, bah, j'avais le Covid. Du coup, j'ai couru, mais. Ça allait pas du tout. Et du coup bah là je suis revenue et là je suis dans le game, je suis vraiment trop contente. Donc voilà, après j'ai fait les relais, ça s'est bien passé, enfin plus ou moins ça aurait pu mieux se passer, et bah, comme je vous ai raconté tout à l'heure avec le retard et moi qui suis aux toilettes avec ma pote alors qu'on est censé être sur la piste. Et voilà, donc franchement j'ai rien à dire, je suis vraiment contente. Là, au moins, je ne me suis pas déplacée pour rien. Mon frère et mon père, ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et je suis vraiment refaite. J'espère vraiment que là, le vlog, il va être bien. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Honnêtement, j'attends un peu une catastrophe. Mais bon, il faut être croyant, il faut croire en ce qu'on fait. J'espère vraiment que ça va rendre quelque chose d'agréable à regarder pour vous, en tout cas. Et voilà. Donc on se tient au jus et bah, j'espère que je reviendrai bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Je suis censée aller à la douche mais je suis tellement cuite. On note mon bordel derrière sans commentaire. Mais là j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Là je suis rincée, genre là je pourrais dormir. Pire. Vraiment. C'est grave comme c'est épuisant les courses, même 100 mètres on dirait c'est rapide, c'est court, mais oh, c'est trop grave comme ça pompe l'énergie.